Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 20 de notre aventure sur Dead Space, évidemment. Et je peux vous dire que, comme d'habitude, je pense qu'on s'approche de la fin. Je ne sais pas combien d'épisodes il va rester. Néanmoins, on va avoir, je pense, un petit peu de boulot. À savoir que là, je trouve pas mal de munitions. C'est d'un côté assez rassurant, et c'est d'un autre côté pas trop rassurant. Donc on verra bien ce que ça donne. Là, je démolis des tentacules à gauche à droite. Et c'est assez terrible. Pour ne rien vous cacher, je crois que là, c'est la dernière. Oh, waouh. Ouais. Dans le bureau du chef de l'intendant, la dernière tentacule. Comme d'habitude. Ah, je suis le docteur Terence Kane, vous vous rappelez? On s'est parlé sur le Valor. Si c'est vrai, laissez-moi entrer. Je dois détruire cette chose derrière vous. Pas encore. Si vous fuyez avec cette navette, nous mourrons tous. Lorsqu'ils sont partis avec le monolithe du J7, ça a réveillé l'entité endormie au cœur de la planète. Mercer l'appelle la Reine-Mère, un organisme central qui contrôle ses nécromorphes par télépathie. Si nous partons alors que la Reine-Mère est réveillée, vous avez vu le Valor. Si ne serait-ce qu'un seul nécromorphe s'échappe, l'humanité disparaîtra. Mais le monolithe, Amelia savait. Elle m'a dit qu'il replongerait la créature dans son sommeil. Ok, donc si on rapporte le monolithe sur Aegis-7, ça endiguera l'épidémie. Exactement. Mais il nous faut la navette pour le ramener sur la planète. Vous disposez d'un réacteur, et moi je peux vous laisser passer. Qu'en dites-vous? Si ça permet d'en finir pour de bon, marché conclu. Parfait. Je vais pouvoir distraire Mercer, mais pas longtemps. Rejoignez vite le hangar avec le monolithe. Merci, Monsieur Clark, de m'aider à réparer mes erreurs. Ok. Ça fait peur. Ok. Alors, attendez, on va utiliser quelques soins. Bon. Le tentacule dans le bureau, ouais. Et c'est lui. Ok, je vous laisse lire. Au début, c'était qu'une voix. Mais maintenant, il est à nouveau ma partenaire constante. Ok. Je pense, très honnêtement, qu'entre l'épisode 19 et l'épisode 20, donc celui-ci, vous devriez un petit peu tout lire. Parce que là, on est dans le fond du lore. C'est pas, à mon avis, à négliger si vous voulez comprendre l'intégralité de l'histoire, évidemment. Attends, avant de détruire ça. Oh, waouh. Ok. Pourquoi j'ai l'impression que c'est la fin? Un atelier comme ça ici. Ok. Waouh. Qu'est-ce qu'on peut faire? Niveau PV, on est bien. Ça faut que je le... Ouais, ça faut que ça tabasse. Hein. Choc laser, je l'utilise quasi pas. En vrai, lance-flamme pour le coup. Du coup, je l'utilise. Ok. Ah, c'est le méga pétain. Les gars, le méga pétain, il est exceptionnel. On est parti. Très bien. Dégagez le chemin jusqu'à la navette. Bon, on a utilisé tous les points. On n'ira pas en enfer avec. Ok, récupérer le monolithe. Oh là là là. Waouh. Ça fait peur de fou.
Ok, le fameux monolithe. C'est terrible, hein. Ok, on va save. Vous connaissez. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Hop. Allez. On a le fameux monolithe. Je sais pas trop comment on va transporter ce merdier. Ok. On y va, la famille. Ok. Wow. Les forces. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Oh, bâtard. Allez, dégagez-moi de là. Oh, waouh. Quoi? Oh, wesh. C'est pas vrai. Oh là là. Ok. Catastrophe, hein. Ok. Habilitation confirmée. On va soigner un petit peu. Très bien, ça. Maintenant, je suis censé faire quoi, bordel de merde? Ok. Comment je récupère ça? Ça paraissait simple et logique. Vas-y, on va save, hein. On va save tranquillement. Ah, vous l'avez. Maintenant, installez le réacteur sur la navette. Je viens vous aider à changer le monolithe. Merde, mais ça se rapproche, vite. Ok. Waouh. Oh là, il s'est passé quoi, là? Ça a bugué un petit peu. Ok. Bon, les amis, on est parti, on rejoint le monolithe. C'est ce merdier qui fout sa merde depuis le départ. Hop, ça, j'embarque, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Oh, j'ai trop de munitions de... Il me donne des munitions d'un peu de tout, c'est très inquiétant. Par quoi on peut remplacer? Peut-être le lance-disque, hein, qui est pas fou fou fou. Laissez-moi réfléchir. Mmh. Oh waouh. Oh, je suis un connard. Élu connard de l'année. Ok. Là, on a quoi? Je prends. Là, on a quoi? On a l'autre côté, MDR. Là, on a quoi? Ok, énergie laser. Merde. Ah. Les malins. Ça a swingé là, hein. Ok. Oh, le monolithe, on va se le transporter combien d'années?
Merde, c'était de l'autre côté. Ouais, les gars, je suis désolé, là on approche de la fin du jeu, il n'y a plus trop de bruit, mais en même temps je suis pas très serein, donc je sais pas trop quoi vous raconter, mis à part que oh, l'ambiance ici est un peu morbide. Mais on a vu pire, quoi, je veux dire, on a vu mieux aussi, enfin c'est un mélange, quoi. Waouh. Ok. C'est donc ça la navette. Essai de mise à feu des moteurs pour finaliser l'installation du matériel. Oh. Ok. Ok. Bon. Oh mais tout ce qui donne, c'est terrible. Tu sais que ça sent... que ça sent la merde, cette histoire, putain. C'est quoi, ça? Évident. Allez, ta mère! Cache-toi. Évidemment, il n'était pas dedans, c'est ça? Il n'était pas dedans. C'est évident. Me gonfle.
Oh, j'ai réussi. Oh my god. Oh, j'ai enfin réussi, les gars, j'en pouvais plus. Ouais, je commençais à perdre patience, les gars. Ok. Oh, je commençais à perdre patience de fou. Ne faisons plus qu'un. Non, on avait promis. Oh là, il me ramène au début du jeu ou quoi, là, les gars? Ok. Vous me recevez, Monsieur Clark? Monsieur Clark, répondez! Vaisseau de merde! Vous êtes vivant, gloire à Atman. J'en viens, enfin. Jemman. Kadra! Je suis là. Tout est en rouge sur l'Ishimura. Les systèmes internes sont gravement endommagés. Le monolithe a transpercé le vaisseau, quelque chose l'a entraîné vers la zone de chargement. Kyle, emmenez la navette jusqu'au hangar, je vais chercher le monolithe. D'accord. Amelia, vite. Quoi, le docteur Kyle? Ce cinglé a tué le capitaine, on peut pas le laisser approcher du monolithe. Selon lui, le seul moyen de mettre un terme à tout ça, c'est de le rapporter sur la planète. Essayons. Je rejoins la zone de chargement. Contacte Nicole Parrig et dis-lui où aller. Je m'en occupe. Merci. Quand j'aurai le monolithe, on se tirera tous d'ici. Ouais, je suis moyen sûr, hein. Je suis vraiment moyen sûr, hein. Ok, épisode 10 fini. Sont pas bons derrière. Épisode 11. Alternative. Ok. Oh merde. Ok, donc faut aller là-dedans. Qu'est-ce qu'on a là? Un point de sauvegarde. Vous savez que j'aime les points de sauvegarde. J'ai plus de stase, les amis. Hein. Comme quoi, j'ai fait peut-être un peu le foufou avec les stases. Mais là, c'est compliqué. Ok. On est parti, on reprend le train. Oh la vache, quel merdier. Et ben voilà, ça y est. Le dernier endroit où on n'était encore jamais allé. Hangar. Et on aura visité l'intégralité de ce vaisseau. Monsieur Clark, nous approchons du hangar. On s'y retrouve avec le monolithe. Arrêt imminent, pont de lancement. Oui, Amelia, bientôt. Nous allons renvoyer la reine-mère dans les ténèbres. Quelle bonne idée d'avoir donné notre seule navette à ce type. Merde, Isaac. Ces trucs que tu as butés, leur biomasse est retombée dans la zone de chargement. Ils s'assemblent pour former... C'est un truc énorme et le monolithe est encastré en plein milieu. Comment on va faire? J'ai les grues de chargement de l'Ishimura. Elles peuvent déplacer une demi-soute d'équipement minier. Si les choses qui sont là-bas veulent se battre pour le monolithe, ça me va. Contourne les sécurités, ça pourrait marcher. Mais dépêche-toi, les systèmes critiques vont nous lâcher. Ok, ça va, pas trop de pression. On dérange personne. Attends. Il y a quoi ici? Toujours rien de faux acheté, oh là là. Y a pas un truc pour le méga PK? Placer une pièce sur l'établi pour étendre la voie d'amélioration et accéder à une amélioration spéciale. Oh putain. On verra plus tard, on verra plus tard. Ok. Oh waouh.
petit save des familles. Alerte. Intégrité. Allez, ferme-la. Bon, vous savez ce que ça veut dire, hein. Vous savez ce que ça veut dire. Structurelle compromise. Par hasard, c'était là. Bonsoir. Attends. En vrai, j'ai une idée démentielle. Fin d'idée. Ok. Fin d'idée, fin de projet. Servir de la grue de chargement. C'est horrible les trucs où pour tuer un boss là, faut faire mes couilles là, faut l'emmener à un endroit précis et tout. C'était horrible, hein, j'ai cru qu'on allait jamais y arriver, hein, vraiment. Hein. Ok. C'est ça. Je dois être teubé, mon ref. On va tout fouiller parce que là j'ai pas saisi toute l'opportunité de ce qu'on me proposait. Ok, putain, beaucoup d'argent. Bizarre. Ta mère, meurs! C'est trop! Il meurt pas, ce fils de pute! Je ne comprends pas. What the fuck? Il m'a fusillé toutes mes munes. Il est mortel. C'est un aller simple pour l'enfer, il est mortel. Ok. C'est censé me protéger un petit peu. C'est quoi, attendez, c'est quoi ça? Alerte. Trouver le trésor de Pang. Les cellules de confinement vont atteindre leur capacité maximale. Je comprends toujours pas là. Wesh! C'est inquiétant! Ok. J'en ai marre, hein. Ok. J'ai l'impression qu'on me prend pour un con ici. Chose ici, on va en profiter. Habilitation confirmée.
Très bien. Bon, écoutez, on va utiliser ce merdier, j'ai pas compris à quoi ça menait. Chargeur de fraises activé. Attention, cargaison 782, mal alignée. La récupération risque d'être retardée. Alerte. Poids de charge maximum dépassé. Poids de charge maximum dépassé. On parle de quoi là ? Ok. Faut avoir un bac plus 8 pour putain une tentacule de merde. C'est trop. Ils abusent. Vous vous forcez de ouf. Oh là. Allez, nique ta mère. Allez, dépêche-toi, je t'en supplie. Chargeur de fraises activé. Attention, cargaison 782, mal alignée. La récupération risque d'être retardée. Okay. La passerelle d'accès.
Ok. Wow. Attention, la passerelle d'accès en cours de transfert. J'ai compris. Vous êtes des forceurs, les gars, c'est ça votre gros problème. Il est où ce métier? Alerte. Oh, c'est bon, j'ai compris, je vous en supplie. Allez, je veux plus recommencer, hein, les gars, c'est bon, stop. J'ai réellement assez donné. Oh là là, je vous en supplie, quittez-moi la paix. C'est éternel. Je vois une cargaison se déplacer vers le hangar. C'est le monolithe. Bravo, monsieur Clark, je vous rejoins. Kain, vous devez passer par le TAS 19. Tu peux y aller depuis le centre informatique. Pour vous chercher? Ok, nous y serons. Tu vas réussir à aller jusqu'au SAS toute seule? C'était horrible. Je vois rien sur les caméras. Je vais foncer tout droit. Souhaite-moi bonne chance. Alerte. Multiple défaillance des systèmes détectés. Impossible. C'était horrible, les amis. J'en ai pris plein à gueule. Je sais même pas quoi améliorer, les gars. Cutter plasma, même pas. Là, j'ai besoin de rien, là. J'ai besoin de rien. Retrouver Kane au garage. Ok. Le méga PK, j'ai tout fusillé. Hein. Il me reste que 16 munitions. Va falloir faire très attention. Cutter plasma ici. Même si j'avoue qu'en termes de dégâts, c'est pas le top top. Ici. Ok. Ok, les amis, il est temps de s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'ai pas utilisé de stase là. J'espère que cet épisode vous a plu. À bientôt tout le monde. Bye bye.